Bonjour ma petite Lucie, j'espère que vous allez bien, moi très bien, à part que j'ai un peu froid, du coup je me suis mis ici pour être à côté de mon poêle préféré, pour moi avoir bien chaud. Aujourd'hui on a un temps pluie soleil avec des éclaircies, puis il fait tout noir, du coup je me dis là maintenant il fait clair, on va profiter pour faire un unboxing de la cube que je viens de recevoir ce matin. Je t'ai étonnée parce que ce sera pour vous la dernière que vous aurez sur cette chaîne parce que je l'ai arrêtée ce mois-ci. Voilà, je vais continuer avec le petit colis que vous ne verrez pas ce mois-ci. Par contre, je n'ai pas. J'ai eu des petits soucis, du coup, j'ai pas su la prendre. Mais c'est pas grave, la cube va la remplacer. J'ai pris mes ciseaux et moi je me casse la tête à essayer de décoller ça. Je décolle, hein. Mais on a le temps. On a le temps. Bon, on n'a plus le temps. Hop. Du coup, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir. D'habitude, j'ai un mail de confirmation et avec le livre à choisir. Mais je ne sais pas. On ne voit pas grand-chose. Bon, comme d'habitude, on va tous sortir. Ah, une livre. Tout petit. Mais tout petit. Bon, on va prendre tout ce qu'il y a. Du coup, j'ai deux petits thés comme ceci. On s'est passé quoi? Thé noir bio au café bio. Ouais, que j'essaye ça. On est deux. C'est les deux mêmes. Ouais. Café, thé noir. On verra bien. Après, j'ai ici un petit. Un début de roman. Qui est la Dacha. Dacha. Un roman de chez Michel Lafon, Angel Martin Lugrand. Lugrand, voilà. C'est un début de. Roman, voilà, vous voyez, vous avez les quelques pages. Nouveau roman en librairie le 25 mars. On est le. Le 11. Il sort le 25. Voilà. Je chope le petit marque-page qui est tout mignon. Tout vert. La petite carte postale, la carte postale, c'est pour correspondre avec votre libraire pour parler de votre livre. Si vous en avez envie. Du coup, on a toujours la préface avec plusieurs petits témoignages. Voilà, hop. Après, j'ai ceci. Je sais pas c'est quoi. Ceci, la carte est très belle. Et alors que celui-ci peut peser ses ailes qui lui permettra de s'enfuir dans le pays merveilleux. Michel Tournier. Ici se cache une surprise rien que pour toi. Voilà, c'est une petite carte. Vous envoyez cette carte et vous recevez. Comment ajouter la surprise? Il faut scanner en fait. Vous recevez cette carte. Il faut scanner, ouais. Utiliser l'appareil photo de téléphone pour le QR code. On fera ça plus tard. Parce que je ne saurais pas. Et la dernière chose, c'est un top bag. Il a l'air pas mal. Qui écrit quoi dessus? J'accepte les grandes aventures d'être tout moi. Simon Le Beauvois. Le Beauvois. C'est ça? Beauvois. Ouais. De cube. Voilà. Il est très beau ce modèle. Et c'est toujours pratique les tote bags. Et alors j'ai un roman, mais tout petit. Tout fin.
Du coup, on va lire le petit. La recommandation du petit du libraire. Bonjour Jennifer, une petite romance de Noël, adorable, encore deux femmes adorables, chocolat chaud, animal mignon et ambiance de Noël seront au rendez-vous. Bonne lecture, Antoine, libraire Cube. Un truc de Noël au mois de mars. C'est pas le top top, hein. En tout cas, la couverture est très jolie. Voilà. Si je vois, il y a plusieurs collections. Ah ouais, d'accord, c'est un Noël chaleureux. De chez Robert Noël. F. Marie. Antoine. P. Mika. Leurs passants les livreront leur d'une autre. Là, le truc, elle est belle. Je vois qu'elle a plusieurs. Non, romance MM. FF. C'est tout petit par contre. Par contre, il pourrait se lire vite. Il y a même. Il y a 140 pages. Il pourrait se faire en deux jours. Alors, je vais vous lire un petit peu. Mais pourquoi va-t-elle dire oui? Laura accepte d'écrire une chanson pour le calendrier de l'Avent du journal pour lequel elle travaille. Mais rien ne vient espérant de retrouver l'inspiration. Elle passe ses journées à fixer son écran d'ordinateur ainsi à la même table du café où elle vient tous les jours. Quand soudain elle aperçoit Alice, un café renversé, un manteau taché et une rencontre qui n'attend à ça. Danse inoubliable, les fêtes de fin d'année qui s'annoncent catastrophiques. Commencer à prendre des nouveaux tournants, Laura découvre Alice et sa passion pour les animaux. Son rire merveilleux et ses yeux magnifiques seraient le coup de foudre d'un téléfilm de Noël. Hashtag musique, hashtag Noël, hashtag chat. Découvrir notre collection roman d'hiver. En tout cas, il est trop beau. J'aime bien la couve. Même derrière, il est trop beau. Vous voyez que les petits chats là, les détails jusqu'au bout de ce petit livre. Et il coûte 12 euros. Et même l'intérieur, je ne sais pas si je vous ai montré, mais l'intérieur a des petites notes de musée, des petites. Il a l'air trop beau. Pourquoi pas? Ça peut aller vite. Un petit livre de Noël. Ouais, pourquoi pas? Non, c'est vrai que j'aurais préféré un autre livre. Ce sera pour Noël. Je pense pas le lire maintenant. Voilà. Je mets la petite étiquette. Voilà, comme ça, je sais bien qu'il vient de la Cube. Mais il est trop beau. Voilà. Oh, ça, c'est mes lunettes. Voilà, voilà, pour ce petit cube. Moi, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous l'avez déjà lu ou pas. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.